Like et abonne-toi si toi aussi tu regardes cette vidéo sur YouTube. Ça, c'est les shorts Fortnite les plus putaclic sur internet. Et il est temps de voir lesquels sont vrais et lesquels sont faux. Moi, je mets mon casque des shorts sous les oreilles et on est parti pour voir tous ces shorts. Et pour le premier short putaclic, les gars, on va tester ce glisse d'invisibilité. Apparemment, les gars, on peut devenir invisible sous Fortnite en chapitre 3. Ok, du coup, pour faire ce glitch, il faut jeter des bidons d'essence juste ici. Tu casses la voiture jusqu'à ce qu'elle soit un HP. Ok. Ah, mais c'est avec le nouveau boss là. Ok. Ah, c'est comme ça qu'il devient invisible. Ah oui, il a tué, ok. Les mots des skills mystiques. Et tu deviens invisible. Ça me paraît un peu fake, mais on va tester ça, les gars. Hop, du coup, les gars, on va mettre le skill mystique tout de suite. Et on est parti en game. Et juste avant que la partie se lance, les gars, n'hésitez pas à aller dans la boutique d'objets et mettre le code créateur DC dans la boutique. D-O-A. T-H-Y en majuscule, en minuscule, c'est pareil. Fouillez. Et dites-moi en commentaire, les gars, si vous mettez mon code créateur, je mets des cœurs à tout le monde. Oh non, il est là. Je vais le tuer pour toi. On va le piéger. Hop, on va mettre des petits bidons ici et là. Parce que même si on le tire dessus, les gars, il meurt pas. Ok, là, normalement, il va aller ici. Il fait tout ce que je lui dis. Bon toutou. Et là, on explose les bidons. Et là, qu'on peut voir, il prend des dégâts. Ça marche. 15, 15. Encore une seule, je crois. 15. Ok, c'est bon, on a tué. Vous avez élevé le vagabond. Mais là, du coup, normalement, si je fais l'émote secrète des mystiques, j'aurai son skin. Allez, est-ce que ça marche, les gars? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Oh, j'ai la haine. Ce short est totalement fake, les gars. Il a dû utiliser un skin changer. Apparemment, ce glitch va vous faire crash votre PC, les gars. On va tester tout ça, les gars. Du coup, tu prends un nitro, tu mets une voiture, tu prends la voiture, tu rentres avec la voiture dans le nitro. What the fuck? Et là, tu sors. Wesh, 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 attends, attends, attends. Ouais, explosion. Oh, mon PC va mourir, hein. Ok, let's go. Ok, du coup, on est en créatif, les gars. Je vais placer mon petit nitro en bas, là. Je vais placer ma petite voiture aussi en bas, là. Ok, maintenant, on va prendre la voiture. Et normalement, on peut rentrer avec la voiture dans le nitro. Wesh. Wow, 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 qu'est-ce qui se passe? Wesh, les gars, j'ai 22 FPS. What the fuck, ça marche de fou. Les gars, je peux plus bouger. Allez, j'appuie sur toutes les touches, y'a rien qui se fait. Wouah! 505 de ping. J'ai fait crash ma map, les gars. Je fais kick, les gars, c'est bon, je fais kick. Du coup, le short, il est giga vrai, les gars. Apparemment, on peut devenir invisible et tirer à travers les murs, les gars. On va voir si c'est vrai ou pas. Du coup, faut aller ici, casser ce mur là. Ensuite, tu construis exactement comme lui. Tu sautes sur le mur et là, il peut tirer à travers les murs. C'est incroyable. En plus, personne peut le toucher. Hop, du coup, les gars, on se retrouve au même endroit que sur la vidéo. On va rentrer dedans et on va monter tout en haut, mon gars. Ensuite, dans la vidéo, il a cassé ça. Il a posé ça, un mur, ok, il a monté sur ça. Il a posé des sols, un mur comme ça. Il a edit, ok, edit comme ça, maintenant il a sauté dessus. Oui, attends. Ça marche de fou, les gars. Mec, si j'arrive à faire un kill, c'est incroyable, attends, ça marche de fou, je m'attendais pas. Ici, je peux mettre une balle de snipe, attends, si je tire là, par exemple. Oh, ce glitch n'est pas putaclic. Apparemment, les gars, tu peux grimper sur la voiture. What the fuck, mec, c'est quoi ce jeu? Non, mec, je savais même pas que c'est possible. Attends, faut que je teste, faut que je teste. Vas-y, avance, avance avec la voiture. Oh, ça marche. Je peux faire une émote aussi. Je peux faire une émote. Vas-y, viens, viens, viens. Wesh, je suis tout le temps attaché à toi. Wesh, je suis tout le temps attaché à la voiture. Ah, c'est bon, ça m'enlève. Hop là. T'es mort, mec. Tu dégages! Let's go! Du coup, le réel, il est vrai, les gars. On peut faire ça. Le prochain short a été fait par ma banane Natmore. Ce glitch dans la boutique vous permet de payer n'importe quel skin à 100 V-Bucks. Je crois pas. Menteur. Jamais. Ce skin. Jamais. Ce skin pour seulement 100 V-Bucks. Eh bien, c'est totalement possible et je vais vous prouver dans cette vidéo. Pour ça, il faut déjà que j'achète les skins que je veux absolument pas. Donc ici, je m'en fiche du skin. Ok, déjà, apparemment, faut voir déjà les V-Bucks dans le jeu. Je les achète et grâce à ça, le prix de mon pack vient de chuter à 300 V-Bucks. Et c'est là où j'ai besoin d'un second compte. Sur ce compte, je m'offre le pack avec le prix en promotion. Et juste après, sur mon compte principal, je me rembourse instantanément les skins que je venais d'acheter. Ce qui fait que de mon côté, je récupère tous mes V-Bucks tout en profitant de ma nouvelle pioche, mon nouveau revêtement et mon nouveau skin acheté pour 300 V-Bucks. Attends, mais c'est un braquage de fou! Attends, les gars, les gars! Là, je pourrais faire des économies de zinzin. Ok, du coup, on est dans la boutique d'objets actuellement. Pour le pack Metallica, il y a 4 skins dedans. J'ai envie de prendre ce pack là. Si ça marche vraiment, c'est incroyable. Déjà, pour le créateur d'ici, les gars, en majuscule ou minuscule, c'est pareil. Fouillez, j'ai 9600 V-Bucks. On va s'acheter un petit skin. On va l'acheter. Ok, on l'a acheté. Et du coup, l'annulation d'achat reste disponible jusqu'à ce que j'équipe ce skin. Je vais prendre mon téléphone, les gars. Hop là. Et on va aller sur le compte secondaire. Dites coucou YouTube, les gars. Coucou YouTube. Ok, les gars, du coup, là, on se retrouve sur mon compte secondaire. J'ai 2000 V-Bucks sur mon compte. Le pack Metallica 3400, c'est énorme. Mais heureusement que je peux me l'offrir. Et ça me revient à combien si je me l'offre? À 1900 V-Bucks. Achetez ce cadeau. Coucou YouTube, je suis là. Ok, cadeau envoyé. Et là, normalement, je peux annuler l'achat.
Si je fais annuler l'achat, l'achat a été annulé et les V-Bucks vous étaient remboursés. Ok, là je fais retour. Wow, pour 1900 V-Bucks, j'ai eu 3 skins traînés, un revêtement et une piste musicale que je m'en fous. Et là, je peux acheter le skin là que je viens de dépenser 1500 pour 400 V-Bucks. Et c'est acheté. Au lieu de dépenser 3400, j'ai dépensé 12300. Glitch complètement validé, merci Nathan. Le prochain, c'est le glitch power. Tous les skins rares du jeu. Genre, il y a une map qui te donne des skins, frère. Impossible, ouais, c'est ça, ouais. Non, mais impossible. Impossible que Fortnite a mis ça. Juste, tu rentres dans un téléporteur et c'est bon, t'as ton skin du jeu. Mais frère, n'importe quoi. Non, non, non. Ah, là, j'y crois zéro, les gars. J'y crois zéro. Mais on va tester quand même. On sait jamais, hein. Ok, du coup, voilà à quoi ressemble la map, les gars. Ça a l'air d'être une petite map bullfight normale. Mais apparemment, ici, il y a un petit bouton secret. Et c'est ce bouton-là, les gars, qui va nous permettre d'accéder à la pièce avec tous les skins. J'y crois moyen, mais vas-y. Évidemment, faut que j'attende 10 minutes, évidemment, frère. Et en attendant que les 10 minutes passent, grosse dédicace aux 10 derniers abonnés qui viennent juste de s'abonner. Donc voilà, les gars, si vous voulez passer à la prochaine vidéo, abonnez-vous et donnez un coup de tête au bouton like. Oh, ok, c'est bon, ça marche. Nice. Est-ce qu'on est dans la pièce avec tous les skins? Oh, ok, c'était pas fake. Ok, ok, attends. À tout moment, c'est réel, les gars. À tout moment, cette map, elle est juste incroyable. Elle donne tous les skins. Allez, je vais la reniguer. 3. 2, 1, et c'est parti! Mais. C'est complètement fake! Aucune map te donne des skins! Attends, si je rentre dans le casier, est-ce que je l'ai? Attends, à tout moment, je l'ai dans mon casier. Non. Du coup, soit complètement fake. Ok, les gars, je viens de trouver un glitch qui permet d'avoir du gold illimité. Les gars, j'ai besoin de ça. Je crois que j'ai plus de gold du tout, mon gars. Ok, du coup, pour faire ce glitch, vous avez besoin du bus et faire le klaxon à côté d'un distributeur. Oh, et ça fait tomber des gold, regardez. Celui-là, les gars, je crois qu'il va marcher. Je crois qu'il va marcher, les gars. Du coup, les gars, on a trouvé un camion. On a trouvé aussi un distributeur de soins. Bon, après, j'ai pas trop besoin de gold. Je suis un peu full gold. Mais on va voir si c'est vrai ou pas. Hop, on va rentrer dans le camion et on va klaxonner. Attends, ça marche, hein. Je crois que ça marche à l'illimité. Ça doit combien d'or en plus? 100 or. Regardez-moi tout ce l'or que j'ai réussi à gagner. Les gars, des couches soient complètement validées. On peut faire cette technique à l'infini si vous voulez de l'or. Et d'ailleurs, ça marche aussi avec les grenades électriques. Ah oui, ça donne de l'or. Le glitch peut avoir de l'or illimité, il marche, hein. Prochain glitch qu'on va tester, les gars, c'est le glitch d'immortalité. Alors, pour faire ça, il faut prendre les gants. Tu utilises les gants, tu rentres dans la poubelle, tu sors de la poubelle. Et là, normalement, il va prendre 0 dégâts. Et il a fait top 1. Si ça marche, les gars, c'est top 1 illimité, mon gars. Allez, on va tester. Ok, les gars, du coup, on est parti pour tester le glitch d'invasion. Est-ce qu'il va vraiment marcher? Du coup, il faut venir. Hop. Attends. Faire un uppercut et rentrer dans la poubelle en même temps. Frère, je l'ai fait hyper vite. Comment ça? Ça m'a pas marché. Attends, je vais retenter. Mais frère, je l'ai fait. Oh, ça a marché. On a tenu le bruit en plus. On a tenu le bruit. 3, 2, 1. Frère. Là, non, je suis immortel. Mais c'est pas toi qui décide. Mais j'arrive à bouger. Mon ref. J'arrive à bouger. Comment ça, c'est que j'arrive à bouger? Y'a pas d'autres poubelles sur la map à part moi? Mais frère, mais tu peux pas, hein. Non, c'est une singerie, mec. Non, c'est vrai, les gars, elle est totalement fake. Ok, par moi, on peut voir la voiture mythique du boss sans utiliser son médaillon. On peut voir ça, les gars. Ok, du coup, il va garer une voiture juste ici. Il se met en passager. Son pote, il le pousse avec les gants de Magneto. Ok, déjà, ça, c'est incroyable. Ok, du coup, faut les gants de Magneto. Et ensuite, il... Wouah, comment il a poussé la voiture hors truc, what the fuck. Ok, son pote, what the fuck. Mec, ça a l'air réel, hein. Non, mec, ça a l'air trop cheaté. Ok, ok, ok. Celui-là, il a l'air 100% réel, les gars. On va le tester de suite. Ah, oui, parce que ça va. Ah non, ça marche. Ouais. Ok, ça marchait, ok. Allez, pousse la voiture. Quoi? Mais pourquoi vous explosez? Vas-y, essaye de la pousser. Vas-y. Allez. Rentre. Non, oui. Qu'est-ce que... Pourquoi ça veut pas? Frère, c'était les portes. Oh non. Mais pas si ça marche. Oh non. Ah non, c'est bon. Vas-y. Léo, oh, c'est bon. C'est bon. Ok, c'est bon. Là, je dois mourir. Ok, là, tu m'as fait. Vas-y, c'est bon. Ramasse-moi. Ah, ouais, non, mais là, t'as trouvé. Ah, c'est bon. Ok, nice. Go. Bah, attends. Quoi, la 900? Ouais. Bah, attends, il est pas du tout immortel. Viens, comme ça, moi, je viens. Ah, bah, non, ça marche pas. Ça n'était pas, ça marche plus. Du coup, le short, il est pas clic, hein, ça marche plus, hein. Ouais, je la dinguerie. Apparemment, il y a un mec qui donne un aimbot sur Fortnite. Ok, du coup, j'ai fait le test. Il y a un petit bouton ici. Oh, juste avec un seul bouton, c'est construit autour de toi. Ok, là, il fait quoi? Oh, ça dit tu tout seul en plus. Mec, c'est trop. Mec, wesh.
Ça avance tout seul et ça bouge tout seul. Mais quoi, mais là ça, il touche même pas le joystick. Mec, faut que je l'achète, Du coup là les gars, je vais aller sur Google et je vais chercher cette manette. J'ai passé les prochaines 30 minutes sur internet à chercher cette manette. Elle était introuvable. J'ai cherché sur Amazon, j'ai cherché sur matériel.net, j'ai cherché sur Cdiscount. Et au bout de quelques heures, je l'ai enfin trouvé les gars. Par contre, elle coûte 80€ cette manette. Likez les gars et abonnez-vous parce que là ça fait extrêmement mal au portefeuille. Ça c'est la manette Aimbot les gars. Regardez comment elle est stylée, il y a plein de lumière et tout. Je suis actuellement en mode créatif avec un abonné et il est en train de me tirer dessus depuis tout à l'heure. Je vais vous montrer à quel point la manette est puissante. Juste avec ce bouton les gars, ça va construire tout autour de moi. Maintenant, oh mec, j'ai appuyé juste un seul bouton et je me suis fait boxer. Mec, c'est trop cheaté, Et cette manette me permet aussi de vider plus facilement sur Fortnite. Par exemple, il y a un mec juste ici. J'ai juste appuyé sur un seul bouton et ça va vider tout seul. Ça y est, tout seul. J'ai fait deux edits avec un seul truc. Imaginez, il y a un mec ici derrière et tout, t'appuies sur le bouton et là, boum. Non, mais désolé les gars, mais c'est trop fort, Cette manette peut aussi avancer, reculer, juste en la déplaçant. Il va à droite, on va à gauche. Hop, on va reculer un petit peu. Ah, mais gamin, mais laisse-moi tranquille. Ok, on va avancer, et si je fais ça? Ah oui, ça marche de fou. Et maintenant les gars, on va tester l'aimbot sur cette manette. Apparemment, t'as une visée extraordinaire avec, on va tester ça. Mec, c'est trop fluide. Mec, ça suit le joueur à la perfection. La manette Aimbot les gars, j'ai mis trop de tête les gars, Ouah, j'ai rien d'autre à dire. Ce short du coup il est vrai les gars. Apparemment ici les gars il y a une toilette indestructible. Avec ça mon gars tu vas arriver en rank 1 real super facilement. Ok, en vrai, go tester hein. On va directement, en plus j'ai une couronne mon gars. On va directement au même emplacement que le mec vers ici. Et là en plus actuellement je suis argent 3 et du coup normalement si j'arrive bien haut je vais passer or. Allez, on va passer or ensemble les gars. Ok, la toilette est juste là les gars. Ok, si je la tape. Ah ouais, il prend pas de dégâts du tout. Ah ouais, ça marche vraiment. On va directement aller dans la petite toilette, les gars. On va faire un petit caca. On est immortel, mon gars. Personne va jamais me trouver. J'espère qu'on aura la zone aussi. Là, actuellement, il y a 50 personnes dans la game. On va voir, les gars, est-ce qu'on peut faire top 1? Oh non, j'ai pas la zone, les gars, je viens de voir. On va tenter de faire top 1, les gars. On en vient là, ça fait top 1 mec, la strat elle marche de fou. Hop là, prends ton petit me sent. Mon gars, faut sortir la zone. Et c'est le top 1 les gars, la strat elle marche de fou les gars. Et on est hors. Ah, let's go. Je suis la moitié de la partie. Et je vais me faire top 1. Mec, c'est la meilleure strat du jeu. Apparemment on peut avoir des armes custom grâce à ce short. On va voir ça les gars. Mais je vais surtout pas. Déjà, il est trop beau ce mec en vrai, il est trop beau. Ne jouez surtout pas sur cette map sur Fortnite, nos tous vos potes vont vous signaler pour hack. Ah, je vais en ban, je vais en ban un ou deux là. Déjà, vous pouvez trouver des armes custom qui sont plus disponibles en Battle Royale. Et pour vous prouver que c'est pas fake, les gars, regardez-moi, j'ai le Zapotron dans les mains. Ouais, le Zapotron avec, je peux même tirer. Il peut même one-shot les builds. Regardez ça. Wouah mec, ça a l'air incroyable. Attends, je vais tester ça les gars, Ok, du coup on est sur la map du mec qui a fait ce short. Déjà ici on peut voir le Zapotron frérot, le Raygun frérot de Call of, une arme de sauver le monde qui n'est jamais sortie sur Fortnite. Mec, déjà on peut voir des armes de Tarlefou. Et si t'attends 30 minutes, tu peux voir l'épée de Minecraft mec. Ok, déjà il y a un mec sur la partie, je vais faire un petit 1v1 avec lui. On va le troll avec des armes custom. Ouais, vas-y, t'es chaud pour un 1v1? Ouais, vas-y. Ah ok, le glitch display marche bien. Wesh. C'est moi, t'es l'XP que je gagne. 10 000 XP. Vas-y, c'est bon, j'ai pris une nouvelle arme, t'inquiète. Wesh, c'est quoi ton arme? Ah non, mais t'inquiète, c'est une arme normale, t'inquiète, go. M'inspire pas trop confiance, hein. Non, mais c'est une nouvelle pompe qui est sortie. Non, j'ai pas vu. On va. Oh, ah ouais, bah là, il est cheaté ton pompe un peu, non? 680 dégâts, mon gars. Wesh. Une arme moins puissante, je prends un pistolet. Allez, normalement, tu me gagnes là. Le pistolet me fait peur. Un pistolet d'alien. Ah, t'as pas la ref? C'est le pistolet de Call of Duty. Les mots de zombie, ça déchire. Wesh! C'est le 300 dégâts! Wesh, mais tu les sors d'où tes armes? C'est des armes custom, mon gars! Oh! 400 dégâts! Bon, je prends un dernier. Mais pour l'instant, il y a 2-0, mon gars! Ouais, mais après, tu vois, on n'a pas les mêmes armes! Allez, bonne chance, mon gars! C'est quoi ça? T'es tellement mort, mec! J'ai mal à l'alien, mon gars! Wouah! Ouais! Ouais, mais ça, comment ça peut être dans le jeu tellement c'est fort? S'il y en a un dans la game! Oh, lire tous les specs que je gagne. Ok, du coup le short il est vraiment vrai les gars. On peut avoir des armes custom en créatif. C'est incroyable.